Refais. Viens sur le truc. Ok. On fait tous ensemble. 3, 2, 1. Voilà, salut tout le monde. Donc voici toute l'équipe de l'épisode 2 saison 2 réunie. Voilà. Et donc on voudrait juste vous dire avant qu'on va changer le nom de la série. Donc elle s'appelle Être un pouf souffle, mais on trouve ça vraiment nul et donc on va changer. Surtout Camille, voilà. Donc on va changer et on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on vous mettra sûrement le montage si on a trouvé. Quoi. Donc voilà. On va chacun à son tour se présenter et dire ce qu'il ou elle a fait pour l'épisode. Voilà. Mais Elodie, tu commences? Je fais Ariana. Voilà, donc Claudine, c'est l'actrice de Ariana. Et pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne ou quoi, ben c'est ma petite sœur. Voilà. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi? Je te crois que je sais. Ah non, merci, Claudine. Heureusement que c'est que les répètes, hein. Voilà. J'ai un peu tourné et j'ai plus ou moins dirigé tout le monde. Oui, et t'as aussi trouvé les costumes. Voilà, les costumes. Ouais. Ta baguette magique. Hey. Non. Nous installons le matériel. Élise réajuste son chapeau. Tu dois rien que ça, ça mérite à ce qu'à bord. Ma chourave. La légendaire du desséché. Et toi, tu vas là. Ok, j'arrête de filmer. Alors, c'est moi qui ai fait le grave. Ça va, la bague est tournée. Pas une fois. Les deux acteurs observent la scène de loin. Regardez-moi ça. Non! Quoique, en fait, on n'a pas besoin de la scène. Nous préparons la scène. Et il se trouve ridicule dans son costume. Donc tu creuses, tu prends la plante, tu regardes inquiète. Tu es vraiment super inquiète, tu prends ta plante, tu prends. Et tu. Enfin, du coup, limite, tu m'as pas. Camille, la caméraman réaliste, explique la scène. Caméraman, oui, Élise aussi a filmé. Script, oui. Décoratrice, des vêtements aussi. Et Élise, caméraman et actrice. Quand même. Ah, elle a apporté la caméra, hein. Ouais. Ok, les filles. Retirez vos vestes, s'il vous plaît. Et. Il y aura son image. Oui, bref. Bah, pas du son, parce qu'on a toujours les problèmes son, donc ça on verra pour les prochains si on aura une verre, je sais pas, je sais pas. J'ai un peu tourné aussi. Oui. Alexandre. Et moi c'est Alexandre, je crois que vous m'avez déjà vu normalement dans une vidéo. Oui, quand je faisais une blague, je faisais genre ouais on a des studios machin, et alors je faisais regarder la pub pour les chips machin, mais voilà c'était ouais, lui. Bah c'était moi. J'ai aidé principalement pour l'écriture de l'épisode 1 de Rapouf Souffle, ouais, pour le moment, le premier épisode de la saison 2. Uh-huh. Et je joue le méchant dans l'épisode 2. Recule un petit peu, stop. Et puis enfin, ben, moi je m'appelle Coralie et je suis la youtubeuse sur cette chaîne. Et après, en fait, vous allez voir ici un petit moment, genre beaucoup mieux. Et puis on reconnaît les. C'est quoi cette baguette? Parce que tu crois que je le sais! Ok? Take on me, take me down! Ça filme! Yes! Allez-y pour le test! Ah, c'est quoi? Alors, me dites pas que vous courez comme ça. Non, mais y'a pas de crosse partout. Non, mais y'a pas de crosse partout. Bah, tu trébuches. Vous êtes des actrices, on s'en fout des branches partout. On est.
tu ne mets pas ça au montage, s'il te plaît. Action. Mais c'est quand même un peu Camille qui a tout dirigé, donc on peut dire que c'est aussi un peu la tête. Vous avez pas qu'une idée base. C'est moi qui ai eu l'idée base, mais c'est moi qui ai fait les tout premiers courts-métrages qui étaient hyper nuls. Ah voilà, mais qui m'avait juste pas moi, c'est tout. Elodie m'a beaucoup aidé aussi pour les premiers courts-métrages, elle m'a donné beaucoup d'idées aussi. Donc, comme deuxième projet dans ce petite réunion qu'on a eue, c'est d'écrire la suite qu'il y aura. Donc, on compte en faire seulement 10 épisodes. Au niveau des écritures, on est au niveau 7ème, donc c'est déjà pas mal. Du coup, on n'a pas vraiment tous les plans et tout. Voilà, on a pour l'idée de base est là, quoi. Et on compte, tous ensemble créer une chaîne secondaire, une nouvelle chaîne. Oui, uniquement pour les courts-métrages. Uniquement, voilà. Voilà, j'aurai ma chaîne principale où je parle d'Harry Potter, tout ça. Et j'aurai une chaîne secondaire où il n'y a que mes courts-métrages. Voilà. Ouais. Et on pensait comme nom à Pottercam, ouais. Ou un autre à voir. Ouais, si on a changé, je mettrai au montage. On pourrait dire des anecdotes, genre des trucs marrants. Qu'est-ce qui était marrant, que mon lit c'est cassé. Ah oui, c'est celui-ci, il a fait lors d'une scène. En fait, donc il y avait, je sais pas si vous voyez la scène, mais genre où Lodine et moi, on arrive et alors on saute sur le lit pour dire oh qu'est-ce qui se passe, il y a Chouraf qui est dehors, machin. Et quand on a sauté, et moi j'ai sauté sur mon lit et c'est même pas une latte de lit qui s'est pétée, c'est carrément un truc en fer qui est cassé. Les armatures qui retiennent les lattes. Et alors c'est mon père qui est arrivé qui a fait non, pas un plateau. Il sera dans le générique. Tu mettrais au générique technicien de plateau, Thierry Braguémont, papa. Voilà. Merci à papa pour le retour. Voilà. Problème technique. Alors, deuxième anecdote, Lodine qui s'est pris pour une diva. Elle était au téléphone, on devait tourner un des derniers plans et elle rentre dans la pièce, elle venait de descendre pour aller chercher ses chaussures. Et elle arrive au téléphone et on lui demande oui, t'as bientôt fini, va tourner. Et elle fait un geste en mode attends, je suis au téléphone. Donc, nous a bien fait rire. Alors une autre anecdote, c'est qu'on a rencontré un type lors du tournage qui nous avait bien peur. Ouais. Donc on vous mettra maintenant la vidéo. Silence, moteur, ça tourne, action. Quoi? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Bah y a... qu'est-ce qui se passe? Où ça? Où ça? C'est quoi ça? Pourquoi il s'approche? Bonjour monsieur! Monsieur, vous êtes où? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui sort sous son manteau là? C'est putain de couleur! C'était bien sûr une blague. Mais oui! Le déguisement d'Elise qui est particulièrement horrible. Alors premièrement, ça vient de chez... taper la honte de ma vie. Ça vient de chez moi, donc c'était du camp, donc il puait. Littéralement. Et à chaque fois, il y avait une voiture qui passait dans la rue, elle se cachait parce que. Oui! Elle avait trop peur de son bruit. C'est une catastrophe. Là où elle se cachait, moi. Voilà, sinon aussi une autre anecdote, quand on a fait la scène où je fais je jure son événement que mes intentions sont mauvaises, il y avait une voiture dans la rue, c'était hyper chiant, t'es sur place mais elle faisait pas de. Et quand elle faisait du bruit, on entendait le bruit du moteur et c'était chiant, t'es là bon c'est dans le super. Voilà, donc on a dû attendre genre 10 minutes, puis finalement on l'a quand même fait. Le bruit de la voiture et je crois qu'on s'entend pas tellement fort. Je croise les doigts. Ouais, on croise les doigts, on s'entend pas fort. Bah s'il est pas au montage, c'est qu'il y avait le bruit de la voiture. Ouais, voilà. Fais comme ça, je jure son ou je fais rien. Tu l'ouvres. Okay. Tu la fermes. Et je dis le truc, puis voilà. Après j'ouvre. Ok, vas-y, action. Je jure son merde. Et le bruit de la voiture, ça. Alors que le décor était vraiment contre nous.
temps, c'est une ouais. Ah oui, il faisait Camille qui chantait. Très froid. Ouais, il faisait très froid. On marchait sur un bout de bois, on dérapait. Il y a l'audit qui s'est pris la porte, je sais plus quoi, dans l'orteil. Les chaussures qui prenaient 2 heures à mettre. Ça tourne. Action. Désolé. Les galères. Alors par contre, faut pas que tu fasses, faut que tu la regardes en mode. Et puis tu vraiment tu fasses. Élise qui s'est griffé le pied. Le lit qui s'est cassé. Oui. On a changé le décor 15 fois au moins du salon. Ouais. On a hyper peur des faux raccords parce qu'il y en aura blindé. Ouais. Faux raccord, spécialiste des faux raccords, Camille. Oui, parce que j'ai l'habitude de glaner mes affaires sur le tournage, c'est-à-dire que j'ai un petit carnet où il y a les horaires de... Les horaires de tournage, j'ai mon storyboard, un crayon et un téléphone. Ouais. Et à partir de 3 minutes, je n'ai plus rien dans les mains. Oui. Et après, pendant un peu, on dit « Ah tiens, mais il y avait un petit carnet là, normalement il ne devrait pas être là !» Et à partir de ce moment-là, c'est à nous de gérer. Ah tiens, y a l'épingle à cheveux, le truc qui est tombé tout le temps. Alors ce qui était drôle aussi, c'est que je l'ai pris Alexandre 2-3 fois pour mon co-réalisateur. Parce que je pars en tournage, j'ai tout le temps un co-réalisateur qui m'aide. Et là, je n'en avais pas, et donc je n'étais pas habituée, donc je lui ai refilé tous mes affaires. Oui, assistant réalisateur, plan machin. En soi, je n'avais pas énormément à faire non plus, ça peut se comprendre. Ce sera pas mieux. Prochaine fois, tu tiendras tes affaires en fait à ta caméra. Prochaine fois, j'aurai une table devant moi en mode. C'est la table qui me dit, quoi, oui. Ou alors, t'auras la chaise pliante de réalisateur. Nous allons aller dans le bois. Et donc, Claudine et moi, nous sommes en pyjama. Alexandre est habillé en sorcier. Elise est habillée bizarrement. Et Camille est normale. C'est la caméraman. Oui, je suis normale. C'est la seule fille qui est saine d'esprit. Ouais, tu joues pas, joue pas, tu ouais. Pas, ouais. En fait, tu es la seule fille quand t'as dans mon taré. Non, elle est pas habillée parce que c'est la seule qui joue pas. Voilà. Ouais. Elle est... Merci d'avoir vu cette vidéo et salut. 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 Lap. Let's